arrive le mois de juin, dès qu'on a reçu les carnets de notes, on passe en CE1, c'est bien, mais une bonne paire de calottes. De la part d'un papa furieux, parce qu'on n'est pas le premier de la classe. Moi je trouve que c'est dégueulasse, à chaque trimestre il faut faire mieux. Mais après tout je m'en fous, je me dis, voilà 2 mois et demi de vacances pendant lesquelles on se définit. Les punitions, l'histoire de France, les règles de grammaire, les dictées, les interros et le piquet. En plus le dernier jour on peut en classe ramener des jeux. Vacances comme ça, je te jure, c'est vraiment pas une sinécure. Moi, je préfère l'école et ne crois pas que je rigole. Quand arrive le mois de juillet, on se dit super, je fais ce qu'il me plaît. Mais maman me donne plein de boulot en faisant un drôle de cadeau. Ce satané cahier de vacances, 2 heures par jour, ça c'est pas de chance. Mais après je peux aller jouer avec mes copains d'à côté. À 7 heures faut déjà rentrer, parce que c'est l'heure d'aller manger sur la terrasse. Ce qui implique qu'on se fasse bouffer par les moustiques. Les voisins presque tous les soirs font un barbecue et du bruit. Asphyxie et font la foire, se calme rarement avant minuit. Des vacances comme ça, je te jure, c'est vraiment pas une sinécure. Moi je préfère l'école et ne crois pas que je rigole. Et quand arrive le mois d'août, on doit partir en colonie. Les valises et en route, on prend le car pour l'Italie. Déjà là ça commence très fort, on a tous le mal des transports. On dégueule pendant tout le voyage, au détour du moindre virage. À l'arrivée on oublie tout, la monitrice est vachement bonne, mais la cantine c'est pas le Pérou. Je dirais même qu'on nous empoisonne. Et les pieds parsemés d'ampoules, les courbatures, les coups de soleil, les sandwichs aux fourmis, c'est cool. Des vacances comme ça, je te jure, c'est vraiment pas une sinécure. Moi je préfère l'école et ne crois pas que je rigole. Arrive le mois de septembre, c'est à ce moment qu'il faut se rendre avec maman pour la rentrée au supermarché pour acheter toutes les fournitures prescrites par la maîtresse, notre instit, pour pouvoir en bonne et due forme reprendre le chemin de l'école. À moi les stylos, les cahiers, des feutres de toutes les couleurs, un compas, une ardoise d'écrès, un beau tube de colle des classeurs, une trousse et un agenda, un maillot de bain pour la piscine. Je suis sûr qu'avec mon beau cartable, je vais faire craquer toutes mes copines. Des vacances comme ça, je te jure, c'est vraiment pas une sinécure. Moi je préfère l'école et ne crois pas que je rigole.